aussi regarder à la ligne 1 parce qu'on a eu un excellent temps de réaction en 0,54 pour Julien qui a explosé à la sortie du plot. Et c'est la ligne 7, Mathieu en 26,33. Mathieu Randall qui devance Louis Payet, couloir 6, 26,58 pour le nageur Vevezan. On attend évidemment les résultats officiels. Ça y est, victoire de Mathieu Randall dans cette deuxième série. Et nous passons à la troisième série. Au couloir 1, il nous vient du Lausanne Aquatique, Herbert Arthur. Couloir 2 pour l'Allemagne, Samin Victor. Au couloir 3, Reda Younes pour le Genève Natation. Au couloir 4 pour le club de Grenoble en France, Combe Thibault. Au couloir 5, Rapotom Antibes. Au couloir 6, pour le club de Wiesbaden en Allemagne, Ludau Urs. Au couloir 7, Deron Joost l'Hollandais. Couloir 8, pour le club de Florival en France, Schlegel Nicolas. Allez, c'est parti. Au niveau des temps de réaction, c'est Younes qui a le meilleur temps de réaction. Younes, le nageur de Genève Natation. Ligne 2, ça s'envole hein, déjà. Bon Victor. Attention Thomas, couloir 6, ça n'a pas dit son dernier mot. Nageur de sur un même plan. Et c'est le nageur du couloir 2, Victor Salin, 25-25, qui s'impose dans cette série. Et...